En pleine pandémie, Dani Cortez, 42 ans, documente à sa manière ce qui l'entoure. Avec ses mains agiles, Cortez recrée en miniature les décors de la ville de New York dans son atelier de Bushwick à Brooklyn. Donc, nous sommes en pleine pandémie. Nous sommes enfermés, je ne peux pas sortir, je ne peux rien faire. OK, les deux premières semaines, c'était cool, génial. Je regardais la télé, je cuisinais, j'aimais être tranquille à la maison. Mais ensuite, je commençais à m'ennuyer et j'avais tous ces outils. Et je me suis demandé ce que j'allais faire de moi. Je devenais fou ici. Alors, j'ai commencé à travailler sur ça, laissez-moi prendre ça, laissez-moi faire un mur de briques, laissez-moi faire un frigo à glaçons. Alors j'ai commencé à le faire et chaque jour, ça m'améliorait. Un passe-temps au départ, ces œuvres qui se vendaient à $30 à ses débuts peuvent monter aujourd'hui à 10 000. Elles ont acquis de la popularité chez les rappeurs jusqu'à la maison de vente aux enchères Sotheby's. Puis j'ai reçu un appel d'aide et du collectif. Ils voulaient faire ma première exposition et tout le reste a décollé à partir de là. Après ça, Sotheby's, après Sotheby's, une autre galerie, et ça a continué de plus gros clients, des clients célèbres, les médias. Ces créations reproduisent méticuleusement les moindres détails typiques et nourris de nostalgie de New York. Partout où nous allions, tout ressemblait à ça. Abandon, vide, beaucoup de drogue dans le quartier. Cela représente mon enfance, parce que parfois nous ne pouvions pas aller au parc et jouer. C'était dangereux d'aller au parc. Est-ce que ça a un sens? C'était dangereux d'aller au parc à cette époque. À travers son travail, Dani Cortez veut aussi attirer l'attention sur un lieu qui change en permanence, notamment son quartier de Bushwick, aujourd'hui repère branché d'artistes et symbole d'une gentrification qui l'embrasse.